retour sur Gaming TV, bien sûr, pour la suite de ce Gauntlet Nib contre Scarlett, qui sera notre dernier quart de finale avant d'enchaîner, bien sûr, sur les demi. Et ça promet d'envoyer du très, très, très lourd là entre ces deux joueurs. Ouais, effectivement, le meilleur quart, on vous l'avait pubé de cette manière-là, puisqu'on a une opposition entre deux joueurs. Bah, déjà, une joueuse iconique en la personne de Scarlett, qui fait un très, 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 très bon retour sur cette année et qui nous explique à chaque game qu'elle n'est pas arrivée au statut de meilleur foreigner pour rien, puisqu'il y a du talent, il y a beaucoup de build, il y a une volonté de s'entraîner beaucoup, 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 d'où sa présence en Corée à plusieurs reprises cette année. Et de l'autre côté, eh bien, la sensation, le meilleur foreigner, la meilleure progression de l'année, les meilleurs résultats, c'est Nib qui joue comme un dieu, quoi. C'est ça, Nib, il passe vraiment sur l'année 2015 à 2016 de début d'underdog américain, un petit peu, ah tu fais une qualif en WCS, c'est bien, c'est la perf de ta carrière, on en reparle dans 2 ans. Et en fait le mec dit, hey, mais l'ETV c'est plutôt cool, et derrière il casse les dents de tout le monde, et bah, du coup il accède notamment à la qualif, à la BlizzCon via les points, c'est-à-dire qu'il ne fait pas quand même trou où il gagne un événement un petit peu, voilà, boum, je débarque et je passe devant tout le monde. Non, c'est vraiment, bah, il a grindé les points toute l'année avec d'excellents perfs tout au long, dans tous les tournois dans lesquels il est rentré. Et du coup, bah, il culmine avec 4000 points au sommet du classement. Enfin, il n'est pas tout à fait premier, mais il est vraiment dans ce top 4. Et c'est vraiment très, très impressionnant ici de la part de ce joueur américain que vraiment, enfin, genre tu parles de lui en décembre 2015, personne ne le voit venir comme étant parmi les premiers. Là, il est voilà, quatrième au classement. Bah, Nib, pour un mec qui déjà n'a pas gagné de tournoi, en fait, est quatrième en termes de points. C'est assez énorme, je veux dire. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de qualité chez ce joueur, avec ses deux finales aux IEM, puis à la DreamHack d'abord, puis aux IEM. Mm-hmm. Puis des placements, en fait, qui sont en train de tout simplement nous dire que va falloir compter sur lui, va falloir compter sur lui longtemps, parce que c'est un jeune joueur, qu'il en veut énormément, et que bah, il est pour l'instant en train de jouer la meilleure saison de sa carrière. Dans le système WSS, il y a beaucoup d'argent à se faire en tant que foreigner, et donc du coup, bah voilà, toutes des détails qui te donnent envie de pousser la chose un petit peu plus loin. Et donc ici, eh bien, il fait face à un de ses adversaires, eh bien, les plus iconiques, notamment parce qu'il y a cette opposition États-Unis-Canada, il y a voilà la Pride nord-américaine. Les deux joueurs sont en quart de finale. On va savoir qui va aller en demi, pas plus tard que maintenant, puisque la première game se lance. On est sur Givre EC entre Nib et Scarlett. Game 1, c'est tout de suite. Et en bas à gauche, représentant l'opérateur Ting en tant que sponsor personnel, le Protoss jaune américain, c'est bien sûr Nib. Et en haut à gauche, pour la team Expert, mais surtout dans la team Nib Fan Club, Nib FC ici, pour le Canada, Scarlett. Du coup, effectivement, opposition des Amériques du Nord entre le Canada et les États-Unis, opposition également bah, du succès historique des genres, là où on a vraiment eu une Scarlett qui devait jouer des coudes avec les Coréens dans le système WCS de l'époque, avec notamment Jaidong, et où elle était vraiment bah, la représentatrice iconique de l'Amérique du Nord. Et bien là, on a un Nib qui est en train un peu de prendre cette place, et une Scarlett qui est sur le retour et qui a envie de se battre également pour son spot, mais les deux, qui certes sont rivaux, mais sont aussi de très très grands potes. Tandis que Piotr Iva, lui aussi, bon pote, 2 mois de resub, merci. Les 2 mois qui font plaisir, les 2 mois qui font dire que ce n'était pas juste, eh bien, juste une illusion, juste un petit cookie comme ça envoyé pour Gaming, mais quelque chose qui est en train de se lancer dans la durée. Merci, merci beaucoup, et en espérant que ces 2 mois deviennent 24 mois en l'espace d'une seconde, même s'il faudra voilà, qu'il passe un petit peu de temps avant ça. En tout cas, merci beaucoup. Si tu crées, du coup, dans le cas de Piotr Iva, 22 comptes pour te sub, ouais, est-ce que tu passes pas instantanément de 2 à 24 mois? Est-ce qu'il n'y a pas moyen comme ça un peu de tricher? Mais surtout, tu fais grimper le compteur qui nous permet d'avoir le G-Sub Bar numéro 2 avec 2400 subscribers. On vous invite, hein, évidemment, si vous n'êtes pas encore sub, eh bien, à faire partie de l'effort de guerre et de rejoindre un petit peu eh bien, l'armée des subscribers e-gaming. C'est ça. Qui se mettent double avec, pour ceux qui n'auraient encore pas compris, l'instant triplet sur tous les contenus. C'est-à-dire que vous voulez voir absolument le match de Polt qui a été joué un petit peu plus tôt, vous pouvez d'ores et déjà le faire alors que eh bien, le live est toujours actif. Vous pouvez regarder ces VOD. Vous avez accès du coup au chat sans limitation de nombre de messages, hein,
sur la durée. Vous avez accès à toutes les émoticônes et je parlerai de ça un petit peu après. Vous avez aussi l'occasion une fois de temps en temps de venir aux locaux, comme ça a été le cas dimanche dernier pour les finales de Top Dogs. Du coup, c'était Tupac Gamer qui s'est fait délai de son message pour une raison que je ne comprends pas. Ginea Green Wings Fighting, Be Ready, Funka, donc pour la finale de la Pro League qui aura lieu samedi. Donc évidemment, ne ratez pas ça, ça fait partie des gros gros contenus de cette semaine avec le showmatch de demain. Effectivement, showmatch entre Clem et Bly en best of 31, ça commencera dès 16h, donc n'hésitez pas à vous connecter dès ce moment-là si vous voulez voir la jeune pousse française face au cheeseur ukrainien ici, 4 premiers airlines qui sont en train d'arriver et qui vont déjà créer une énorme nuisance pour le joueur Protoss ici en grattant le pylône et en forçant des probes à sortir pour venir un peu le défendre, hein, puisque deux gates unpowered à ce moment-là, ce serait assez dramatique pour Nib qui néanmoins a réussi à sortir ses élèves. Va-t-il réussir à sauver toutes ses propres Yotsumi Digicast. Ok Yotsumi, merci beaucoup, ça fait plaisir. La troisième match qui est en train de se terminer côté canadien. Et le conseil crépusculaire, évidemment scouté par Scarlett puisqu'il était tout simplement dans le wall, et un conseil crépusculaire qui, de manière complètement attendue, va rechercher les glaives de résonance pour permettre aux adeptes de taper 45% plus vite. Ce qui est quand même plutôt pas mal hein, dans l'ensemble. De manière, tout ce que tu peux faire dans ta vie 45% plus vite, je pense que tu aimerais. Enfin, il y a quelques exceptions près. Voilà. À part à quelques exceptions près, tu as tout envie de faire 45% plus vite. Ici, les drones qui vont du coup pas encore mourir 45% plus vite. Seulement deux qui sont tombés, mais surtout l'information qui aura été prise d'absence, notamment de chambre d'évolution ou de Roach Warren à l'heure actuelle. Et le Roach Warren, lui, vient tout juste d'être lancé. Et du coup, pour la troisième fois, on voit un joueur américain et Protoss jouer. Ce dernier choisit une pression glaive résonance sur au moins 3 gates. 4, pardon. Ici, puisqu'on en a tout à l'heure, c'était Puck, c'était 3. Mais... Puck, c'était 3. Mais du coup, on est effectivement sur 3-4 gates à chaque fois. Les glaives résonnants et de la pression. Maintenant, on n'a pas encore pris les gaz du côté de Puck, même si on continue à produire des probes. Voilà, les gaz qui sont finalement posés. Donc, ça ne sera pas un gros all-in adepte dégueu. On pourrait envisager du all-in adepte et du DT, mais aussi un follow-up macro, ce qui serait plus, selon moi, dans la vibe de Nib en général. Ouais, effectivement, les 4 gates sont quand même une gate de plus par rapport à un timing réel de volonté de troisième base très très rapide. Généralement, quand tu fais 4 gates, c'est que tu veux engager. Néanmoins, on va payer, après le premier warpin de 4 adeptes, on va payer ce Nexus. Ok, il remet l'adepte en position. J'étais en train de me dire, est-ce qu'il est dans le mind game au point de cacher un adepte pour masquer le fait qu'il a 4 gates. En tout cas, voilà. Mine de rien, une différence qui peut se faire sentir au bout de 3-4 cycles de warp. Vous allez avoir 3-4 adeptes supplémentaires et avec les glaives résonnants, eh bien, ce n'est pas rien comme augmentation. Par contre, en voulant mettre la pression et en n'aurait rien pour défendre ce 3ème Nexus, eh bien, on le perd. C'est ça. Et d'ailleurs, on a un follow-up double Stargate hein, de la part de Nib. Ouh, et le plus en attaque. Nib qui est en train de la jouer un petit peu old school ici. Le double Stargate plus en attaque, c'est quelque chose qu'on ne voyait plus vraiment depuis quelques temps et qui est en train d'être un peu remis au goût du jour du côté de Nib. On verra si ça fonctionne contre son adversaire canadien. Ici, on n'accepte pas les shades en voyant la masse d'unité. On va essayer de trouver une autre fenêtre d'opportunité. Tandis que Metan Psychosia qui dit Wallet, toujours plus de potence. Tintin. Et oui, on entend ton appel. Et on entend l'appel surtout des adeptes en train de se faire découper par les roaches et les erglings. On a trouvé une position au niveau de la deuxième base, mais pas particulièrement bien exploitée, puisque ici on est en train de se faire surround. Ouais. Et au final, on ne prélèvera absolument aucune économie pour une petite douzaine d'adeptes. Ouais, là c'était pas forcément glorieux, surtout avec initialement ce cancel de la B3 qui vraiment ne met pas cette pression à adeptes, même dans le cas de. En fait, si tu arrives à mettre pression et derrière ça fait que toutes les unités ne sont pas du tout en train de cancel la B3 ni un transfert de preuve, etc. Je veux dire, tu peux ne pas forcément prendre de drone, tu as ton follow-up macro. Là, le follow-up macro, il est un petit peu plus tard. Derrière, tu pas une composition qui va être destinée à gérer une grosse masse d'unités. Hein. Zergling Roach, ça va faire beaucoup d'unités sur le terrain qui va être compliqué de gérer seulement avec des Phoenix et des Adeptes. Donc, il y a potentiel d'embrouille ici pour Nib. Hein. Ouais, potentiel d'embrouille clairement puisque on n'a absolument pas révélé non plus aussi hein, cette transition technologique avec beaucoup de Phoenix qui sont en train de s'empiler ici. Tant qu'on ne repère pas le troisième Nexus, je dirais que voilà, Nib est toujours dans une position où il a à loisir de jouer. Ouh, la Spire qui arrive vite avec le Bata Bainling. On est sur quelque chose assez similaire à ce que nous proposait Snut, notamment sur la Game 3 hein, où il avait cette Spire de transition. Peut-être un compte de Roach un peu plus élevé, surtout pas de Ravageur pour le moment, on est plutôt en train d'économiser sur le gaz, d'autant que Scarlett n'en mine pas beaucoup. Hein. Mais en fait, que sur 4 extracteurs, et encore, il y en a 2 qui ne fonctionnent pas. C'est ça, et du coup, je suis presque dans l'idée que potentiellement, elle n'est pas du tout dans l'idée de faire cette Spire pour faire des mutas, peut-être plus des corrupteurs en fait, et gérer le Phoenix Play de son adversaire de cette manière. On verra si c'est effectivement le cas ou pas, mais
ça me paraîtrait assez étrange de choisir de faire Inspire et faire des Mutas alors que on est sur du double Star Gear Phoenix. Après, on est peut-être pas encore tout à fait rendu compte des Shades qui ont été partiellement acceptés pour évacuer une partie de la force vers une autre ligne de minerai. Les Phoenix qui sont en train d'arriver sur les Overlords, un petit peu innocents. Les petits boucs aériens ici qui étaient en train de tranquillement grignoter l'herbe dans leur pré et qui se font bourrer par des Phoenix énervés, les loups du ciel ici. Oh, l'accélération qui a fait très mal à Scarlett ici, qui est en train de payer du coup des paniques sporuleurs dans tous les sens, mais qui va surtout perdre plus d'Overlord avant que ceci soit terminé. On va repérer un Phoenix de plus, mais on a surtout perdu 20 drones puisque les adeptes ont fini par trouver une position intéressante. 25 drones tombés, la contre-attaque de Zergling, mais pas de Ravageur, pas de Road Speed non plus, rien du tout pour le joueur américain, la joueuse canadienne pardon, qui voilà, va avoir des difficultés à réellement générer du dégât parce que les Phoenix ne sont pas touchables dans cette composition. C'est ça, et du coup ils peuvent soulever les roches et du coup éviter aux adeptes d'avoir à gérer avec ces unités blindées. C'est vraiment très bien fait ici de la part de Nib qui gère parfaitement sa défense, perd vraiment le minimum perdable sur une défense de ce type. Et par contre ici peut-être la ligne minerai qui était un petit peu dépourvue de défense, mais ça, on s'en sort quand même bien. Seulement deux probes qui ont été prises, les roches qui vont tenter de venir faire du dégât, mais je pense qu'ils n'en trouveront pas. Et derrière la contre-attaque qui pourrait faire extrêmement mal, hein. Le temps que ça traverse, les Phoenix vont régénérer l'énergie, tu vas avoir accumulé des adeptes et tu vas avoir les immortels très bientôt produits deux par deux puisqu'on rajoute une deuxième robot à l'instant. Et en fait, Nib, il est en train de jouer un coup en avance à chaque fois. Je veux dire, les correcteurs, ils sont en train d'être faits maintenant, mais le switch, il est déjà en train d'être embrayé par Nib. C'est ça. Il joue très bien Nib sur cette séquence. Alors, Scarlett a donné, elle a énormément donné d'unités sur cette contre-attaque, mais ça lui a permis, en tout bon zerg qu'elle est, eh bien, de droner like a sack, hein, puisqu'on est remonté à 67 drones, alors qu'on était tombé à une trentaine tout à l'heure, au moment de l'agression Phoenix Adept. Sur cette séquence, du coup, les corrupteurs qui sont un peu coûteux à ce moment-là de la partie, hein, le sang de minerai, sang de gaz qui fait un peu mal, surtout pour des Phoenix qui, s'ils sont micro proprement, ne devraient pas tomber face à ces corrupteurs trop lents pour rattraper leur retard, leur déficit de vitesse. Et tu mentionnais, bah voilà, hein, ce switch immortel qui est en train d'arriver. Et effectivement, bah, des immo va y en avoir beaucoup, même si là il est un peu supply block le joueur américain. Et va y avoir une composition qui va être largement plus forte puisque Scarlett, en fait, elle donne l'impression de subir et de ne pas vraiment avancer sur un plan de jeu qui lui appartient. Elle fait des upgrades défensifs pour l'aérien. Est-ce qu'elle ne va pas switch muta quand même malgré tout après? Là, on voit beaucoup de corrupteurs avec le plus en défense. Est-ce que tu t'ouvres pas l'accès à un switch muta une fois que tu as viré les Phoenix? Peut-être, effectivement, il y a moyen. Après, le plus 1 de défense aérien qui pourrait juste être dans l'idée de contrer le plus 1 d'attaque aérien des Phoenix et se dire, du coup, mes corrupteurs restent en vie, ils peuvent effectivement gérer les Phoenix. Les Phoenix ne peuvent pas me soulever mes unités au sol, sachant qu'elle a quand même un compte de roach très limité à la chérie. Mais je crois même qu'en fait, ces derniers roaches sont morts. Il les a transformés en ravageurs. Donc c'est peut-être vraiment juste dans l'idée de protéger son armée au sol contre les Phoenix. Maintenant c'est assez curieux, bon, le plus en d'attaque aérienne qui quand même laisse à penser qu'on devrait avoir à terme un switch, que ce soit les Mutas ou peut-être dans une optique de très long terme le Broodlord. Ouais. Ouais, pourquoi pas, effectivement, même si pour l'instant on prend son temps, hein, par rapport à la tech T3, on a surtout remis son économie en route et on est en train de se mettre plutôt bien face à une armée aérienne puisque on aura les upgrades qui vont bien ainsi qu'un bon gros pack de corrupteurs qui, même s'il ne peut pas rattraper ses adversaires. Ouais, mais du coup je vais chercher un terme bien précis qui n'est pas sorti en fait, que je connais. Je connais ses antagonistes. Son... Hein, tu vois? Je l'avais il y a deux secondes, je l'ai perdu. Opposant. Contre, mais, on... ouais, mais en fait, c'est counterpart. Ouais. Counterpart, ça marche qu'en anglais, en fait. Bah, ça contrepartie. Sa contrepartie Protoss, en fait. C'est tout ça. Simplement ça mais que je voulais effectivement, dire. C'est un peu moins naturel que le counterpart de nos amis anglophones. Ici, on aura prélevé la Queen et on est en train de continuer à roamer sur la map. Hein. On est vraiment en train d'imposer une... la présence Protoss plus dans les limites Zerg que l'inverse, c'est assez inhabituel. Ici les corrupteurs qui se survolent, un groupe de stalkers qui a le blink et qui pourrait envisager un blink directement sous les corrupteurs pour les choper, mais ça serait peut-être un peu imprudent à ce moment-là avec les ravageurs et les bellings qui sont derrière pour les protéger. Ok, on ramène l'armée, on est là, on est présent, on a beaucoup de force field dans cette armée et là on pourrait complètement bloquer. Il y a un bon angle pour des force field ici, les force field qui sont calés, les billes corrosives qui ne vont absolument pas tomber sur des force field mais plutôt sur les corrupteurs et derrière les civils corrosives là qu'il va falloir esquiver. C'est pas vraiment fait. Attention, derrière, connexion énorme de Benling. Attention quand même, hein, les Bane qui auront très bien connecté, cette masse de Zergling avec des upgrades qui est en train de faire la différence et il est en train de s'empaler. Nib ici, le joueur de Shetting, il va se débarrasser de la majorité des corrupteurs, seulement les Zergling ne sont pas contrés, pas d'adeptes dans cette composition égale et bien des Zergling qui se font plaisir, qui se régalent même, comme le dirait Todd. Et ici, et bien ce go qui était un fail monumental pour Scarlett. Ouais,
fail monumental ici pour Nib, ouais, effectivement, qui a perdu énormément sur cette séquence sans infliger de dégâts conséquents en retour. Et il va de coup devoir. Son homologue, merci. Putain, homologue, je suis désolé. Ouais. Non, mais il n'y a pas de souci. Son homologue Protoss, putain, ça me rendait ouf. En fait, c'est ça le truc qui m'énerve le plus, c'est que des fois, il te manque le mot ouais, juste, ouais. En fait. Et des fois, tu connais le mot juste, mais il ne sort pas, tu vois. Bah, moi, j'avais le problème avec Point à un moment. Genre, j'arrivais jamais à trouver. Mon point. Ouais. Et du coup. Entendez là, mon point. Du coup, même là, je le dis. En fait, j'arrive pas à me dire quel est le mot français, tu vois. Mais bon, c'est des choses qui arrivent quand tu écoutes beaucoup de contenu anglais ici. Le contenu anglais, il est proposé par ces deux joueurs anglophones aussi. Et on verra si lequel de ces deux joueurs l'emporte. Mais on a quand même une Scarlett qui s'est quand même mis dans une très très bonne position grâce à la fight précédente. Qui du coup voit là une absence de B5 de la part de son adversaire. Ce qui bah, la rassure. Enfin, t'as subi beaucoup de dégâts. T'as perdu une armée très coûteuse. Derrière, tu n'as pas de B5. T'es en PLS. Clairement. Clairement. Attention quand même aux Elo Charge qui va se terminer dans quelques instants. Il n'y a plus beaucoup de Baning dans la composition de la joueuse canadienne. Sous-entendu, ces Elotes pourraient s'en donner à cœur joie, d'autant que c'est des Elotes plus 2 d'attaque. 13 Baning en production. Ces Baning, ils sont produits ici pour contre-attaquer, péter les robots, peut-être péter l'économie s'il y a suffisamment d'unités. Est-ce que Nib en a vent? Absolument pas. Il n'est pas du tout au courant. Il en aura avant, mais au dernier moment. Et quand tu te prends une tornade dans la tête, tu veux avoir ton report météorologique ici. C'est en train de débarquer. Tornade d'acide directement dans la ligne de minerai. 8 probes qui sautent instantanément, ouais. Et les probes qui essaient de fuir tant bien que mal. Tandis que l'armée veut revenir, mais l'agression de part et d'autre de la part de Scarlett au nord, au sud, elle est partout dans le visage de son adversaire. Et vraiment, après une première séquence de jeu où on a une Scarlett qui subit son adversaire, eh bien, elle est patiente, elle est calme, elle attend l'empalette et ensuite envoie la contre-attaque canadienne. La contre-attaque. C'est ça. Au sirop d'érable, bien sûr. Bien sûr. En vrai, c'est le turfu, hein, comment ils jouent Snut et Scarlett. Hein. Nib et Scarlett. Non. Ah non, Snut, vraiment. Non, mais c'était pour être sûr, tu vois. Ah oui, tu voulais dire le BO en lui-même. Voilà. Non, je parle les herbes, en fait. Ah ouais, ouais. Ce style, il est super fort. Enfin, honnêtement. Genre je vois peu de compositions dans lesquelles en fait un joueur Zerg au préalable qui jouerait pas Roachling, Ravageur, Binding comme ça là aurait pu défendre le premier go en fait. Ouais, non mais... Bon alors ça... tu me diras, c'est pas fini, il y a 56 d'Army Supply à 60. Ouais, après c'est en train de chuter assez rapidement, les immortels qui ont déjà tout leur bouclier qui trigger, est-ce qu'il n'y a pas assez du côté de Scarlett? Après c'est une grosse partie de sa population armée quand même dans les Corrupteurs et dans les Zergling qui étaient en train de tuer 30 probes de l'autre côté de la map ici. Nib qui doit absolument faire des dégâts majeur s'il veut revenir dans cette game après son déficit de probes. Et ici la prise de fight qui pourrait être pas mal, juste la Sentry qui était un peu isolée, mais là par contre qui est en train d'absorber énormément. Faut pas prendre les billes corrosives sur les immortels. Ok, c'est bien esquivé dans l'ensemble de la part de Nib qui va pouvoir continuer à deal d'énormes baffes avec ses immortels. Est-ce qu'il va réussir à le faire? Il y a un mutalisque en production. Je pense qu'il aurait fallu un petit peu plus de ses unités volantes si elle avait souhaité faire la différence face à cette masse d'unités qui ne peut pas taper en l'air pour Nib. Ouais, ça va être tendu jusqu'au bout de cette game, mais j'ai l'impression que Scarlett avec son économie supérieure va prendre cette première partie, même si les armées ils sont très très similaires. Ça y est, les Zerglings opèrent le surround, l'encerclement et les trois immoraux qui se font défoncer ici. Deux archontes qui avaient été oubliés et qui sont bloqués tout simplement dans la main, obligés de détruire un gateway. Le bon Nib, il a 42 de pop, il est encore en train de jouer crânement sa chance. Seulement du côté canadien, on est encore en train de miner sur une base qui est relativement propre, toujours en place avec beaucoup de minerais disponibles. Et ici, la traditionnelle piste des corrupteurs qui va se débarrasser de ce Nexus. C'est ça, et malgré les dégâts contre les unités biologiques de l'archonte, ça ne sera pas suffisant pour les repousser. Derrière, avec les mutalisques qui sont présents sur le terrain, on va pouvoir aller choper les derniers récolteurs de Nib. Même s'il y a des archontes sur le terrain, ces derniers ne feront pas la différence face à un nombre suffisamment conséquent de Roach. On en a 12 en production, cependant sont-ils en place pour défendre cette base fraîche. Donc tu parlais, là ils sont en train de sortir des œufs et des unités normalement sont en train d'arriver, mais ce sont des mutales et des aglings, hein, des unités qui peuvent se faire ouvrir par les archontes. Oh, s'il est vraiment capable de retourner cette game après avoir pris un si gros déficit de population, on nage en plein délire, les trois archontes et les deux centres. Font-ils la différence ici? Il va faire un massacre de drones, le bon Nib. Il ne reste plus que 20 drones à Scarlett sur des bases qui ne minent pas énormément, pas de 30, très bonne santé. Selon la B3, ça va encore 4, 5, 6 cartes de minerais qui vont permettre à Scarlett de se remettre un petit peu bien. Voilà, il lui faut des roaches. Il faut des roaches à Scarlett et des ravageurs parce que sinon, cette compo à base d'Archon va tout casser. Bisous, Kerry. Bisous. Poulet aussi, comme on dit bien sûr. Ici, les billes corrosives qui sont faites pour maintenir le joueur Protoss loin, puisque les archontes ont peu de portée. Mais là, les archontes, ils arrivent à la porter. Ils font tellement de dommages avec le plus 3 d'attaque, c'est monstrueux. Est-ce que Nib n'est pas en train de retourner ici la situation de manière totale? Une nouvelle fois, les billes corrosives qui ont été évitées, même si on a perdu un archonte sur la deuxième partie de la séquence. Là, il y a quand même beaucoup de ravageurs, seulement 3 archontes maintenant. Nib qui GG. Mais une game. All right. Serré. All right, boys.
Les deux qui se trade coup pour coup, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les mecs sont censés mourir 6 fois dans cette game. Scarlett, elle prend une telle accel sur Phoenix Adept en début de partie. Elle perd 30 drones, elle se fait défoncer, elle contre-attaque sur un truc qui paraît genre juste débile, en fait, d'aller balancer ses unités gratuitement de l'autre côté de la carte pour concrètement ne gratter que des adeptes. Donc tu donnes des roaches qui coûtent quand même mine de rien un peu de gaz, pas mal de zergling pour simplement contrôler le tempo de la partie et toi te permettre de revenir économiquement. Scarlett qui rush vers 65 drones et là le comeback est possible alors qu'on sentait un Nib qui était parfait, qui avait une belle composition, qui avait du sens vers un timing push tout à fait designé pour défoncer Scarlett. Et la masse de Zergling, les Bennings qui connectent, les Ravageurs, le style de Scarlett et le style de Snut du coup par extension qui fonctionne juste trop bien. À aucun moment tu ne peux sortir de ta base sans Zealot ou sans... C'est-à-dire que oui, il y a des Bane, donc t'as pas très envie de faire des Zealot. T'as aussi par essence peut-être pas vraiment envie de faire des Adeptes, mais dans les faits, si tu sors sans ça, c'est-à-dire là, la composition qu'il avait, c'était Stalker, Immortal Sentry, la masse de Zergling, une fois que les Force Fields sont tombés, ont juste tout terminé. Et puis les Bendings ont fait de belles connexions quand même, il faut le mentionner. Juste une compo énorme, quoi. Une compo énorme. Ah non, fantastique ici, hein, de la part des deux joueurs. Sébastien qui dit salut TKL et Funka et tout le monde, salut à toi et merci pour tes 6 mois de resub. Scarlett qui prend la première game et je m'y attendais absolument pas au vu de la manière dont tu as démarré le mid-game notamment de cette partie. Et on va voir si le reste de ces games seront aussi quali puisque vous l'avez vu, hein, les deux joueurs qui visiblement n'avaient pas envie de taper le GG. Nib qui aura tout donné jusqu'à la fin, limite en nous faisant croire que ces 5 archons allaient retourner la partie. Game numéro 2 sur Apotheosis, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et en bas à droite, représente la team expert et... bien sûr, le fan club de Nib, il s'agit de Scarlett. Et en haut à gauche pour Ting Esports, il s'agit de Nib. Enfin, je sais pas si c'est Ting Esports en fait, c'est juste Ting. Je crois que c'est sponsorisé par Ting. C'est ça. Et big up à Ting, mine de rien. Ces mecs-là, ils ont décidé de s'investir dans l'esport à la base avec la Ting Open 1. C'est donc un tournoi StarCraft 2 diffusé sur Basetrade. Vous l'aviez vu notamment recasté en français sur OGaming TV. Puis il y a eu la 2 sur StarCraft 2 encore une fois. Puis ils ont pick up Nib, puisqu'ils n'avaient pas d'équipe à ce moment-là et recherchaient une équipe, même un sponsor. Et ça a été le cas chez Ting, donc permettant de continuer sa carrière qui s'annonçait assez successful sur cette année 2016, et derrière sponsorise le tournoi de Todd. Donc sponsoriser un tournoi de Warcraft 3, je pense que ça requiert quand même un niveau de passion assez overwhelming en 2016, quoi. C'est ça. Non, clairement, Nib qui fait tout ce qui... Nib, pardon, Ting qui fait tout ce qui est possible, tout ce qui est en son pouvoir pour se faire aimer de la communauté pro-gaming, e-sport. Et ça fait bien plaisir parce qu'ils enchaînent vraiment les choix de qualité entre une cup qui a tout son sens, le sponsoring de ce tournoi de Warcraft 3 de Todd, mais aussi le fait de récupérer le pro-gamer le plus hot du moment sur la scène foreigner. Le bon Nib, on le rappelle aujourd'hui en... en Cup Online coréenne, Olimo League. En Olimo League, merci. En Olimo League qui a sorti coup sur coup 3 Terran de très 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 gros niveau avec Gumio, Ryung et le troisième c'était Reality. Reality, merci. Il n'y a pas de souci. Effectivement, 3 très gros Terran et Nib du coup qui s'en est très bien sorti. On verra du coup comment il s'en sort contre sa contrepartie canadienne ici, contre son homologue canadienne du coup, puisqu'on a reçu le mot tout à l'heure, donc autant l'utiliser effectivement. Enrichis ton vocabulaire avec Gaming TV bien sûr. Et déjà là il se fait mener 1-0, il va se trouver face à une carrière qui va avoir un gros boost d'income avec cette prise rapide de la gold et le transfert surtout de drone dessus. Nib lui aussi qui a pris la gold, qui lui aussi transfère des drones et du coup qui va jouer avec les mêmes armes que son adversaire. Ouais, absolument pas en reste, même si pour l'instant l'income là qui est très très bas pendant le transfert de probe et puis ça va remonter au fur et à mesure des premiers cycles. Voilà, on le voit ici sous nos yeux ébahis et ça devrait monter au-dessus de 1000, hein. Voilà, ça y est, on y est, 1200 d'income même si on a... Oh, j'allais dire moins de drones, mais non, on a 5 propres d'avance d'ailleurs. Hein. Nib qui va miner un tout petit peu plus, et surtout au niveau du gaz, hein, c'est la grosse différence en early game, les herbes qui généralement investissent très peu dans la récolte de gaz. Et donc on voit la différence, la tech de Nib qui va accélérer. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand tu récupères une gold et que tu mets beaucoup de propres dessus, est-ce que t'as pas envie de faire beaucoup de gates et beaucoup d'adeptes? Effectivement, tu peux avoir cette envie, et de manière, c'est l'envie générale en PVZ en ce moment, et en tous les cas, de la part des Protoss américains,
maintenant. Ça n'avait pas été le plus gros succès, les opérations adeptes d'early game de la part de Nib. Hein. On se rappelle de ces 12 adeptes qui meurent sans prendre de kill de drone, notamment le très très beau positionnement de bâtiment ici hein, de la part de Nib quand même. J'apprécie, en tant que constructeur de base moi-même, j'apprécie beaucoup. Bah, il faudrait que Puck s'inspire de vas-y, je fais un wall sur une base improbable, parce que tout à l'heure, les walls de Puck, ils nous ont filé quand même une certaine galounette face à Snut, lui qui s'est incliné tout à l'heure 3-0. Ici, attention, cet adepte qui va finir par tomber, mais la bonne réaction ici de la part de Nib qui va eh bien colmalter la brèche avec un pylône. Attention, le drop ascenseur ici de la part de Scarlett, cette game qui va très très vite. On est en full production de Zergling et on va bourrer contre un joueur Protoss qui pour l'instant n'a pas ses gateways transformés. Ça y est, deuxième et troisième gateway qui vont se terminer. Mais attention, le wall qui a été ouvert avec le cancel de ce pylône et peut-être pas la meilleure décision de tous les temps ici pour Ting Nib qui est en train de prendre la pression sur tous les fronts. On remet les adeptes en position et les glaives résonants qui vont se terminer dans quelques instants. Pourquoi pas, hein ? Il y a quand même que 21 collecteurs pour Scarlett. Ouais, que 21 collecteurs du coup, ce go très agressif qui pourrait ne pas être aussi successful qu'elle l'aurait espéré sur une économie aussi faible grâce notamment à la très bonne maçonnerie du bon Nib, à la très bonne réactivité du joueur américain. Et derrière, avec effectivement les glaives résonants, on va massacrer les Zerglings d'autant plus vite. Et les Zerglings, c'est tout ce qui va être produit pour l'instant. On lance tout juste le Bundling Nest et certes, on a plus un d'attaque qui se termine, mais si les Zerglings n'arrivent pas au contact des adeptes, eh bien ça se passe nettement moins bien pour l'engagement. Une nouvelle fois qui pourrait être pris ici. Mais les adeptes qui sont bien en position, c'est vraiment très très bien fait. Hein, quelle défense de Nib, quelle défense de Nib, c'est incroyable ce qu'il a été capable de faire dans cette game. Et il faut mettre en valeur que c'est d'autant plus incroyable que vraiment cette dispersion de la défense pour un joueur Protoss entre la Gold et la B1 sur Apotheosis, elle est super dure à faire. Ça veut dire que ton Mother Shipper, il ne défend qu'une seule de tes bases, que tu dois warper un nombre d'adeptes à peu près équivalent de chaque côté pour être sûr de protéger. Donc là, c'est vraiment un choix stratégique et tactique instantané qu'il faut faire avec très grand calme. Et sinon, bah, c'est l'échec total. Donc très très bien joué de la part de Nib. Tandis qu'on a eu Skrug qui nous dit pour le Swarm avec 18 mois de resub. Ça fait plaisir. Attention, les Zerglings là, qui ont été planqués là-haut, qui pourraient servir de run-by, de Baneling ou de Zergling tout court. On va voir ce qu'elle décide de faire, Scarlett, avec à nouveau cette transition. Double Stargate qui a l'air d'être la base hein, pour le joueur américain Nib qui a tenté de prendre une B3 mais du coup les Zerglings qui ont été utilisés instantanément en réaction et le SimCity de Nib qui rend cette gold tout à fait impénétrable. Attention aux Bending qui ne sont pas encore terminés. Est-ce qu'on les disrespecte ici ou est-ce qu'on évite la fight? Ouais, ok, ça peut y être la crise, mais on a split à la dernière minute, souvent 3 adeptes, cependant insuffisant par rapport au nombre de Zerglings restant derrière. Encore une fois, l'agression d'early game à base adeptes de la part de Nib qui ne fait pas la différence. Et là, il va falloir commencer à envisager de dépenser les ressources. Hein. Prendre une expand, ça pourrait vraiment être pas mal et faire un petit peu plus d'adeptes, mais c'était compliqué jusque-là avec la production de Phoenix qui était lancée et du coup tout le gaz qui était consommé par ces fameux Phoenix. Ceci étant dit, de manière générale, économiquement, Nib, il est vraiment bien. C'est juste que maintenant, il doit continuer à ne pas prendre de dégâts et plus le temps passe plus ça va être difficile avec maintenant le plus en attaque et les bendlings qui sont disponibles. Oulala, c'est l'empale là pour Scarlett ici qui vient dans un goulot d'étranglement contre 2 poussées photonistes avec 3 adeptes également avec les glaives résonants ici, les 6-7 adeptes de Nib qui sont un petit peu hors de position, qui se font complètement full surround, mais à terme les Shades qui devraient en sauver 3. Ok, pour un petit peu plus de fight, un petit peu plus de longévité dans le combat. Et pendant ce temps là on n'a pas révélé Phoenix, si ça y est les Phoenix qui sont sortis, qui sont en train de se débarrasser d'Overlord. Attention, le wall qui n'était pas en place ici et Nib qui ne réagit pas et qui est en train de perdre de l'économie pour la première fois de cette game. Heureusement pour lui, il avait l'énergie pour une poussée photonique. Toujours sur 3 gates Nib, hein. Donc quand il perd des gros packs d'adeptes, il est en difficulté pour les Reproduire effectivement, pour les reproduire. Et c'est d'autant plus important que là il est vraiment sur le point de tension où il va avoir sa transition et du coup si Scarlett appuie suffisamment fort, le petit Nib pourrait casser s'il n'a pas la souplesse pour encaisser. Mais les adeptes sont déjà en train d'être warpés au niveau de la B1 hein, pour absorber les Zerglings justement qui ont été droppés directement. Et là le pylône ne devrait pas être perdu, ceci étant dit attention à cette B-Gold qui pourrait ne pas être protégée par une photon overcharge dans les prochaines secondes puisque l'énergie avait été entièrement claquée. On n'a pas encore récupéré cette photon overcharge. Il faut vite vite ramener ces adeptes qui, comme tu l'as dit, sont difficiles à produire sur seulement 3 gates. Ah, moi je suis désolé, je suis bluffé hein, par la SimCity. Le mec a 3 walls différents en fait. Il a 3 niveaux de walls. Non mais elle est incroyable. Après 3 niveaux de rêve, 3 niveaux de parking et 3 niveaux de poutrance, eh bien on est sur 3 niveaux de walls. C'est-à-dire qu'il peut wall ici. Et ensuite il peut wall en 2 temps, en 2 étapes, ici et ici. Donc, moi j'ai même envie de dire qu'on est sur un 50 shade of wall. Mais très bien. Eh oui. Mais j'apprécie. Et ça lui permet de martyriser bien sûr les Zerglings.
qui aime beaucoup ça. Et ici, on prélève énormément de drones avec les Phoenix. Donc finalement, on est enfin un peu en train de rétribuer l'agression qu'on a subie jusqu'à présent grâce aux Phoenix. Très inspiré ici, le bon Nib. Et j'aime beaucoup ce retour du play Phoenix. Qui était vraiment sorti de la méta, de par la méta, notamment Benlin Hydra qui était arrivé dans le PVZ. Et ici Nib qui est en train de la remettre au goût du jour parce que les joueurs Zerg ont changé de style. C'est plus dans le Gling Hydra, Benlin et dans le Gling Ravageur qu'on voit plus dernièrement. Et du coup, le Phoenix qui redevient une option tout à fait valable. Du coup, Nib qui veut la chercher. Du ouais, ouais, mais dans un setup un peu particulier, c'est-à-dire après cette mise en place du jeu adepte avec les doubles Stargate, avec le plus 1 d'attaque qui, mine de rien, fait une grosse différence dans la rapidité à détruire notamment des Overlords et des Queens. Et on voit en fait que, avec ce build, en prenant la gold et grâce à sa SimCity, encore une fois, de très très haut niveau, même si j'ai vu des gens que ça, visiblement, ça dérangeait un petit peu d'entendre parler d'une très très bonne SimCity, figurez-vous que ça l'était et que ce n'était pas à la portée du premier Pékin. Eh bien, voilà. Nib qui est capable d'encaisser une pression full Zergling powered par la gold, hein, parce que la trois quarts des drones de Scarlet étaient sur la gold qu'elle avait pris en première base. Tout ça mis bout à bout, la défense de Nib impeccable, le follow-up avec Phoenix et la destruction de façon de Scarlet simplement avec les Phoenix. Il y avait pas de sport, elle pouvait pas payer 6 sports, elle en a payé 2 sur la gold. Mm-hmm. Et une fois que Nib a trouvé l'opportunité de lever des drones, Scarlet qui n'a plus rien à jouer dans cette game parce que bon, elle a plus d'écho, c'est terminé. Et puis avec le play assez drop heavy de la part de Scarlet, hein, quand même, il y a eu un ou deux Overlord drop et plusieurs Overlord qui avaient traversé la map, il y a quand même eu des phases de supply block qui ont fait que tu peux même pas te dire ok, je vais faire une queen supplémentaire par base et du coup je limite le nombre de sports que j'ai à produire. Non, là c'était pas du tout une option pour la joueuse canadienne. Big up à Croc d'Ivoire, bien sûr, Croc d'Ivoire du coup. Croc d'Ivoire. Croc d'Ivoire qui est là depuis 10 mois, qui nous suit avec positivisme et ça c'est cool. On vous fait des gros bisous, nous on fait un tout petit break de 2 minutes et on revient avec la game numéro 3 entre Scarlet et Nib. C'est un BO5 donc il reste encore des games à se mettre sous la dent, au minimum 2. Ne bougez pas. Et nous voilà de retour avec la game numéro 3 du BO5, le plus hype de ces quarts de finale de la Gauntlet, toujours avec le grand TKL. Oh. Et nous allons passer directement sur la game numéro 3 avant que nos ébats deviennent un peu trop graphiques. C'est ça, pour un stream peu trop intense, cette audience, tout à fait. Et cette aura. Une fois que la caméra sera plus sur nous, bien sûr, on pourra se permettre des choses. Mais ici, ils vont pouvoir se permettre des choses. En haut à droite, en jaune et porting, il s'agit de Nib. Et en bas à gauche, fan de Nib devant l'éternel, Nib fan club, bien sûr, Scarlet. Mais effectivement pour la team expert. Team expert ici. Et attention, expert du posé de Hatch. On avait même envoyé le drone en préalable pour voir s'il y aurait tentative de blocage de la part de Prop. Donc très très smart, petit move de rien du tout qui vraiment vous permet d'éviter de vous faire avoir sur un décalage de Prop. Certes, ça vous fait sortir un drone un tout petit peu plus tôt. Mais derrière, vous avez votre expansion sur la B2. Vous n'avez pas une dispersion de votre défense. Et vous pouvez donc gérer les adeptes de l'adversaire. Le go adepte qui a été systématique hein, ici dans les rencontres en PVZ. Ouais, vraiment, vraiment la méta du moment en ZVP. Aucun des joueurs Protoss n'a tenté de se passer de l'upgrade Glaive Résonant en début de partie pour jouer adepte et pour contrôler un petit peu le rythme de la partie. Ici, on a fait donc Hatch Gas Pool de la part de Scarlet, logique, hein, build order le plus standard et le plus stable disponible dans l'armada Zerg. Et sur Galactic Process, ça va être compliqué quand même de gérer les déplacements d'adeptes. Alors, tant que le caillou ici n'est pas détruit, je pense que c'est peut-être pas la map la plus compliquée non plus. Parce que, certes, il y a de la distance, mais c'est aussi valable pour les adeptes. Jean BDR, penué ! Calibre 12, Smiley nous dit-il en nous balançant un petit 12 balles pour les bières de ce soir. Eh bien, merci beaucoup. Très généreux. Je trouve qu'on peut en acheter deux au Café Martin avec ça. Ce qui est pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Parce que du coup, c'est juste pour l'autre. De toute façon, il mérite se faire foutre. Voilà, il mérite clairement pas. Il mérite la mort, en fait. C'est ça, il mérite d'être brûlé au bûcher, puis son cadavre découpé en tout petits morceaux, et enfin plongé dans une rivière pour être sûr qu'il reste mort. On n'est jamais trop prudent avec ses roues. Et ici, l'improbe qui se sera enfui comme ça. C'est en couille très vite. Ouais, mais c'était dans l'Assassin Royal où, tu sais, t'as deux types de magie et t'as ceux qui pratiquent la magie entre guillemets animale, sauvage, un peu considérée comme démoniaque. Et c'est plus ou moins ça leur mort. Genre, ils sont noyés, puis coupés, puis leurs morceaux brûlés, tu vois, un truc dans le genre, tu meurs et tu restes mort, tu vois. Genre, on veut être certain.
Alors, le Twilight Council qui évidemment fait son apparition, Tekel qui vous le disait tout à l'heure, c'est vraiment la base. Le go-to. C'est très très difficile de s'en séparer. Même si, voilà, Nib nous a montré en transition ses doubles Stargate avec le plus 1 d'attaque et je suis très 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 excité à l'idée de le voir répéter encore une fois ce build order. Pour la raison simple que d'un côté Snut et ici Nib ont l'air tous les deux d'arriver avec une variation un petit peu perso qu'ils répètent à l'envi sur chaque game en fait. Tout à l'heure Snut il a joué exactement de la même manière sur toutes les games qu'ils ont posé à Puck et ici j'aimerais bien savoir si Nib a vraiment fait confiance complètement à son nouveau style de jeu et répète encore une fois son double Stargate derrière son opening adept. Pour l'instant, j'ai envie de dire que typiquement sur la game numéro 1, il perd vraiment pas sur le choix de son build order, c'est vraiment plus sur les prises de fight ou certaines décisions en termes de défense qui sont peut-être un peu plus discutables. Donc peut-être qu'il n'y a vraiment pas de contest à faire au niveau de son build order et que du coup il ne va pas chercher à le faire. Après, il pourrait toujours avoir une tentative de surprise sur son adversaire Scarlet, qui elle du coup aura tenté des choses différentes. D'une game à une autre, on aura vraiment vu des agressions très très early dans la deuxième map, là où sur la première on était vraiment beaucoup plus parti sur la macro, mais c'était aussi clairement les maps qui voulaient ça. Là sur Galactic Process on est beaucoup plus à mi-chemin entre Frost et Apotheosis, donc je pense que là, on est vraiment face à des cartes ouvertes, à une croisée des chemins, tandis que Dark Vengeance SCL nous dit bientôt 2 ans de fidélité, j'ai le droit à quoi? Eh bien à toute notre gratitude, ainsi que bien sûr tous les avantages des subs. Mais j'allais dire aussi un bisou sur la fesse droite peut-être. Moi je préfère la gauche. Bisou sur la fesse gauche de TKL, bisou sur la fesse droite de Funka, c'est ça? Ouais, allez. Voilà. Allez, avec le jean. Hein. Pas vraiment sur la fesse. Tandis que Jean Béder nous dit qu'une pinte, c'est 5$, environ 3€ dans le coin où il est. Et bien, tu as bien de la chance. Nous, dans le 20e arrondissement de Paris, c'est clairement pas ces prix-là. Ouais, bon, t'en es, je te dis, à peu près 6 balles la pinte. Hein. C'est ça. Bon, après, c'est pas pire que certains autres endroits. Hein. Il y a très sereinement des pintes à 12€ dans certains coins de Paris. Hein. Bah, évidemment. Enfin, je veux dire, ils te permettent de garder le verre qui est lui-même fait en or massif après, donc faut bien qu'ils rentrent dans leur frais, tu vois. Exactement, c'est quelque chose qui se produit à une base régulière. Attendez, oups, ah non, on nous dit que c'est pas vrai, très bien. Bon, c'est des choses qui arrivent, mais malheureusement, c'est la dure réalité. Tandis qu'on a, du coup, on a fait un go d'été hein, du côté de Nib qui effectivement change la donne, mais reste dans quelque chose d'assez méta vis-à-vis du PVZ. Il change juste par rapport à ce qu'il a pu montrer dernièrement. Cependant, Scarlet, elle qui est en train d'aller chercher très rapidement un T2 et qui donc va avoir des vigilants disponibles si nécessaire quand les DT débarqueront. Alors on a l'opportunité par exemple de faire, et c'est probablement celui que je préfère, tandis que Bleach Mole est là depuis 15 mois. J'aimerais voir 4 DT. 4 DT qui vont rusher une fois. Essayer de défoncer le truc, si ça passe pas tu repick up et tu prends, tu fais 2 archontes et ensuite tu harasses avec 2 archontes. C'est ça, moi je trouve que c'est vraiment une transition qui est ultra sexy, assez play d'été et qu'on voyait vraiment pas du tout avant, même pendant les 6 premiers mois de LOTV, et qui pourrait effectivement être une option intéressante pour trouver du dégât, et si trouver du dégât ça pourrait être notamment tuer les 3 queens, ça pourrait être effectivement une bonne option, tandis que les adeptes eux sont en train d'aller chercher le dégât dans la main, ici Nib qui fait du dégât partout. Il est en train de se faire rattraper ici Scarlett, elle était pas du tout en position sur ce coup là et du coup en train de perdre beaucoup d'économies, des queens et les adeptes sont toujours agressifs, toujours en train de lui mettre la hête dans toutes ses bases et c'est l'économie qui est en train d'en prendre un sacré coup dans la gueule pour Scarlett qui vient de tomber à 36 drones face aux 51 propres de son adversaire avec le 3ème Nexus qui vient d'être sécurisé. Ouais, 3ème Nexus qui vient d'être sécurisé, les 2 archontes qui sont en cours de formation ici et qui vont pouvoir revenir à ras directement dans la ligne de minerai tandis que les adeptes refusent de mourir. La forge également qui sera présente et qui va permettre d'améliorer de manière assez conséquente l'armée Protoss avec un plus en attaque. T'auras derrière un énorme timing qui pourra se faire hein, avec des adeptes, des immortels, le plus en attaque et pourquoi pas une petite archive des Templiers histoire de complémenter ton compte d'Arconte si tu souhaites en faire à moindre coût, si tu souhaites produire des Arcontes à la chinoise un petit peu. Tu as des localisations de la production, réduction des coûts, tu vois. Ah putain, monsieur. Non mais blague géoéconomique, quoi. Géolocalité, non? Ouais, aussi géolocalisé, tout à fait. Très bien. Et ici, les Arcontes qui montrent tout leur potentiel de power overwhelming avec ça. Le prisme, puisque non seulement ils ne meurent pas, mais en plus ils balancent de sacrés baffes. 4 drones de plus et des Erglings qui viennent de tomber, ainsi que la Queen. Il est ultra rentable depuis le début de cette game, en fait, Nib. C'est ça, hein, ces opérations sont toutes excellentes. Et en fait c'est comme dans les autres games, il perd 12 adeptes, sauf que dans cette game-là, il fait des dégâts avec.
C'est ça. Et clairement, ça fait la différence. Derrière le go, plus en attaque, le Blink qui est choisi plutôt qu'un rush vers l'archive des Templiers, ce qui est quand même assez normalisé aussi. On verra du coup s'il arrive à continuer à faire du dégât avec ses archontes pendant qu'il tech assez massivement le joueur Protoss ici. Et le dégât qui commence effectivement à être fait. Hein. On prélève juste quelques unités et c'est les quelques unités qui font la diff. La Queen qui était destinée au creep, sachant que le creep est ultra important pour Scarlet et pour un style Gling Bane. Mais là, on est surtout en train d'aller chercher les Brutalisks pour se débarrasser de ce fief et prix. Ouais, le prisme qui est en train de faire un énorme boulot. The Only Knight qui nous dit go Scralette. Go go les gars, vous nous vendez du rêve. Et bien toi aussi tu nous vends du rêve. Joyeux anniversaire sur la road to poutre. Et les mutas qui vont arriver ici. On a Inspire qui a été balancé par Scarlett. Je ne sais même pas où elle est d'ailleurs. Elle est ici justement. Pour l'instant que 3 mutas pour contrôler le prisme. Ce qui pourrait bien... Enfin je dis ça mais en même temps. Enfin tu drops les archontes quoi. Ouais ça peut, en fait ça peut retourner à tout le moment contre Scarlett. Et là justement les archontes qui ont été drop. On se prend par instantanément contre, en muta. Et certes à le prisme qui fuit c'était débile par contre. Ouais il fallait vraiment plus le faire fuir vers l'intérieur. Ouais. Vers les archontes. Et permettre du coup de choper les derniers mutalisques. Mais ça a permis également de voir la transition muta. Donc on pose instantanément la double Stargate qui permettra, si jamais ce compte de mutants augmente, de lancer la production de Phoenix en conséquence. Mais là, on est surtout en train d'aller chercher un nouveau prisme, plus d'archontes, le Chargelot et l'archive des Templiers pour ces fameux archontes à cheaper ici. Alors, au PMVC, tu ne donnes pas ton avis en fait. Tu continues devant le fait qu'on te donne des indications sur la qualité ou pas d'un truc, sachant que probablement on sait mieux que toi. Tu n'entends pas ce qu'on te dit, donc à terme en fait. On part du principe que tu peux passer 5 minutes sur le banc à réfléchir à tes actes. Si t'as pas compris, t'as pas compris. Hein. Et j'irai pas te re-time out pour le plaisir. Mais bon, c'est un peu compliqué en fait d'avoir à faire la police face à quelqu'un qui n'entend pas ce qu'on lui dit. Parce que c'est intéressant d'essayer de faire comprendre les gens. Mais quand ils ne comprennent pas, ça a tendance à frustrer. Voilà la raison pour laquelle tu as pris un time out de 10 minutes. Et j'espère que tu pourras accepter eh bien, la manière dont ça s'est passé. Voilà, on retourne sur la game avec deux Phoenix en production. Un immortel supplémentaire, le plus 2 d'attaque, le plus 1 d'attaque aérien. Dans les faits, la double Stargate était peut-être une overréaction à une joueuse R qui au final n'a produit que 3 mutas. Par contre, si on a l'intention par contre de rajouter des phoenix dans la composition de manière legit, régulière, ça me dérange un petit peu moins. Sinon, c'est simplement un investissement de 300 de minerais, 300 de gaz, un petit peu, enfin assez peu rentable en fait. Bah, je pense que quand t'es dans un scénario à la NIB où t'es vraiment dans l'optique de prendre une quatrième base, de jouer le long terme, etc. Rajouter la double Stargate, si tu te mets pas à chrono-booster les îlots 2 par 2 pour en produire très rapidement 8, je pense que t'es pas dans un scénario d'overkill, t'es vraiment juste dans un scénario où tu ouvres tes options, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a vraiment juste fait 2 phoenix, et derrière bah, il voit qu'il n'y a pas plus de muta, qu'il n'y a pas de muta dans celle de minerai. Bon bah il a quête les phoenix, il fait quand même sur plus un d'attaque aérien qui lui permettra de mieux transitionner plus tard éventuellement, mais on est vraiment dans la prévoyance, dans l'assurance, bien sûr. Alors en plus ce qui est intéressant c'est qu'il prend la décision de garder son plus 1 d'attaque qui est une upgrade qui est relativement très peu coûteuse en fait et donc en cas d'éventuelle transition, c'est-à-dire effectivement on revient sur le Mass Phoenix, et bien voilà les Stargate elles pourront directement sortir du Phoenix plus 1 d'attaque aérienne, donc plutôt cool. 19 Baning en production de la part de Scarlett qui recontinue sur son style de jeu avec des corrupteurs dans le pack pour essayer de se débarrasser des unités aériennes, et ça fait son travail surtout contre les prismes de transfert hein, depuis le début de cette game qui ont été bien traqué par la joueuse canadienne. Attention, Nib, est-ce qu'il veut vraiment ressortir de cette rampe-là dans ce goulot d'étranglement? Ça paraît compliqué quand même. Hein. Ouais, compliqué ici de monter la rampe, mais après, ça pourrait également être compliqué pour Scarlett de la descendre. Alors, attention, les Phoenix qui ont mangé des billes corrosives et un premier qui est mort ici. Cependant, vraiment, je ne pense pas que Scarlett puisse casser la position. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup trop d'archontes à l'heure actuelle et toujours plus qui sont en train d'être morphés. Et c'est marrant que ça ait mis vraiment autant de temps en fait que pour que l'archonte soit aussi populaire dans le match-up. Ça a toujours été une unité très forte contre Zerg, et maintenant on en voit vraiment beaucoup être produit de manière massive pour réussir à gérer les styles Gling, Bane et soit Ravageur, soit Hydra qui ont été produits sur LOTV jusque là. Et ici là il est en train de payer en fait un petit peu là, cette problématique de rampe partout hein, qui empêche à son armée de se déplacer en belle boule et du coup d'éviter les endroits où, là, 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 où les banlings pourraient connecter sévèrement. Pour l'instant les premiers sets de force field sont bons, il y a tellement d'archontes dans la composition du joueur américain, il faut juste splitter le reste, mais les archontes sont en train de tanker comme il faut. Pendant ce temps là je crois qu'il y a les corrupteurs qui sont en train de pisser sur un Nexus, ça va très très vite dans cette game, il faut payer les poussées photoniques sinon on va perdre cette base. Et pendant ce temps là il y a aussi des banlings qui sont en train d'essayer de run by dans tous les sens cette game, qui se barre en sucette vitesse grand V, mais cette fight frontale qui aura été définitivement gagnée par Nib.
Ok, on absorbe tout juste les Bill Corrosive Medaille, les Archontes qui n'ont plus beaucoup de bouclier, et du coup qui pourraient se faire bourrer sur une faille frontale. Il faut ramener le reste de l'armée pour protéger les Archontes. Mais les Archontes qui sont focus fire de manière très intelligente par Scarlet. On est en train de prélever beaucoup d'unités, les Zilotes qui sont en train de mongoliser, les Bill Corrosive qui connectent. Scarlet qui n'était pas forcément dans la meilleure position, c'était relativement égal, mais d'un coup d'un seul coup d'accélérateur dans le virage, et elle est en train de distancer Nib qui va devoir encore une fois essayer de faire la différence sur le long terme avec un Warp continu sur l'offensive. Mais attention aux Mutas qui sont en train d'arriver sur le terrain et qui pourraient mettre fin à l'existence de ce Warp Prisme Corrupteur finalement nettoyé. Mais est-ce qu'on arrive à faire le dégât du côté de Nib? La game qui n'est pas terminée, hein, loin de là, puisqu'on a toujours 80 drones pour une Scarlet qui a beaucoup beaucoup de ressources. Elle manque un petit peu de gaz néanmoins. Attention, ce Nexus ici qui pourrait bien se faire déraper dessus par les quelques corrupteurs. Est-ce que les 3 Stalkers auront le temps de débarrasser le plancher, puisqu'une fois que les corrupteurs vont passer dans leur deuxième mode, le Nexus qui va prendre très très cher. Non, Scarlet qui abandonne la mission et qui va pendant ce temps-là perdre quand même 22 drones, toute une base en train de se faire déraper dessus. Attention, un immortel hors de position qui va donc se faire prélever. Et ici, est-ce qu'on est bien suffisamment? C'est bien fait ça, les 5 Zélotes qui ont été sauvés au dernier moment. Attention, les bicorosives sont venant qui connaissent une nouvelle fois un petit peu. GG. Ok, Nib. Ok, Nib, ouais. Nib, solide. Solide, très, très, très solide. Très solide, très, très calme, avec la bonne décision de se dire, bon, bah, ok, j'ai subi du dégât, mais j'ai quand même réussi à défendre de manière correcte. Si je continue à bourrer, je vais te forcer à revenir chez toi pour défendre. Et si je gère bien mes fights, et ben je t'empale tout simplement. Donc très très bien joué de la part de Nib qui prend les bonnes décisions, qui prend les bonnes fights et qui du coup prend également le lead dans ce best of 5. 2-1 pour le joueur américain et Protoss, ce qui nous amène du coup à une game numéro 4. Et si Scarlet égalise potentiellement une game numéro 5, c'est pas plus tard que maintenant. Jack n'était pas prêt, tandis qu'en bas à droite, il est prêt, il est chaud, il est beau. Il s'agit de Ting Nib. Et en haut à gauche, pour la Zergerie mondiale, la joueuse canadienne Scarlet, qui est donc dos au mur ici, face à un Nib qui aura joué une très très bonne game numéro 3, permettant du coup aux joueurs américains de prendre de l'avance et d'avoir eh bien une balle de match et du coup une qualification en demi-finale à la clé. Ici sur Frozen Tempo, on va aller comme à l'accoutumée, allez emmerder la pose de B2, scout après le pylône, et ici le drone qui sera du coup trop en retard, et on ne pourra pas positionner la B2 sur la position de B2. Effectivement, ici du coup on va être obligé de prendre la B2 sur l'emplacement B3, forcer finalement cette dispersion de la défense Zerg et donc pouvoir essayer de jouer une nouvelle fois sur l'échelle d'adepte qui avait été très très bien utilisée dans la game précédente par Nib, lui permettant de prélever notamment 25 drones sur cette séquence et après le follow-up d'été qui avait été excellent. On verra s'il arrive à maintenir ça sur cette game numéro 4 ici. Puisque je vois vraiment pas Nib ouvrir sur autre chose que, les adeptes, hein, vraiment sur... Enfin, je sais pas, c'est devenu ultra standard. C'est vraiment à l'image de certains builds Protoss qu'on pouvait voir auparavant. C'est le go-to, quoi. Tu le fais et derrière, ça t'ouvre ton arbre technologique, quoi qu'il arrive. T'es vraiment très bien. En fait, le truc, c'est ça. C'est que le Twilight Council est définitivement, c'est le bâtiment de l'armée Protoss. C'est le bâtiment de la race Protoss sur Legacy of the Void. Tellement de choses qui sont ouvertes par le Twilight, le plus 2 d'attaque, le Blink, les glaives résonnants, la tech d'été, la tech Templar. Tout est ouvert par le positionnement de ce bâtiment. Et surtout avec beaucoup, beaucoup de versatilité. Et c'est ça la force du truc. Hein. C'est-à-dire que c'est bien la Stargate, mais la Stargate, on anticipe nécessairement ce qui va en arriver. Alors que le Twilight Council, même si pour l'instant la méta, dans la majorité des match-ups, est plutôt... lié au glaive résonnant, eh bien ce n'est pas garanti néanmoins que ce sera ça qui arrive, notamment par exemple en PVT, hein, où ça peut être il peut y avoir beaucoup 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 de choix différents. Effectivement, tous les choix sont possibles et ouverts, et même avec ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais le patch proposé par David Kim, on pourrait éventuellement voir des choix d'aller vers le chargelot, puisque le chargelot devient un petit peu plus rapide, et donc tu pourras avoir des perspectives de retour d'espèces de all-in chargelot archonte en PVZ, je pense. Il va faire un cyber. En PVT ça va être compliqué, bah bien sûr que tu fais le cyber. Même quand les Zerglings sont déjà sur le champ de bataille. C'est à l'occasion de le poser. En fait, sur 4 Zerglings et un drone, ils vont mettre 1 million d'années en fait à vraiment le tuer. Et ça t'assure que ces 4 Zerglings en fait ils traversent pas la map et ils viennent pas poker ton wall qui pourrait ne pas être ultra bien défendu. Tu vois, ah, il est juste en train d'avoir son adepte là. Donc tout à fait bien. T'es très content de pouvoir gagner un maximum de temps sur cet adepte. Par contre, il faut penser à le cancel. Et ça n'a pas été... Ah ok, si. J'ai cru que ça n'avait pas été cancel, j'ai un peu flippé.
Reste suave, c'est quel. Ouais. Reste suave. Très suave. C'est de Nib qu'on parle. On est suave. Ok, l'adepte, généralement, que là, on accepte la shade hein, du côté de chez Nib. Bon, on commence à voir, en fait, avec plusieurs games enchaînés comme ça, dans le même match-up nécessairement dans ce BO5, on voit un peu les prises de décision un peu classiques de certains joueurs. Et ici, on se rend compte que, dans la majorité des cas, le premier adepte va chercher des noises aux Zerglings avant le speed de Scarlet. Attention, Nib, là, qui flotte un petit peu de ressources et qui va balancer sa tech. Non ! Un Nexus très, très, très rapide ici de la part de Nib. Il va falloir être solide sur les appuis ici hein, si on veut réussir à gérer ça, et on va le faire notamment avec encore une fois un SimCity digne des meilleurs, avec vraiment juste cet espace qui traditionnellement sur HTS devait laisser la place à un canon. Maintenant tu réduis l'espace pour laisser juste à la place à un adepte et des Zerglings qui arriveraient à la queue leu leu s'il voulait le tuer. Tu peux même caler deux adeptes si tu es vraiment un génie du hood. Pour l'instant, le génie du Hood est surtout en train de grid comme un sac, tout en gourmandise ici le joueur de chez Ting, avec un troisième Nexus très 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 prompt qui pourrait potentiellement hein, lui permettre de eh bien, tout simplement de balancer unité après unité, de foutre une merde pas possible. Mais on a bien répondu hein, du côté de chez Scarlet, on va accélérer la prise de B4. Est-ce que dans cette situation, je suis d'accord avec ça, au final, ça lui coûte tout son potentiel d'offensive, d'agressivité, pas de glaive résonant. On va choisir d'ailleurs la robot avant le Twilight, ce qui m'étonne un petit peu. Je vois pas ce qu'il veut faire avec cette robot. Double robot, je pense. Double robot, mais quel est l'intérêt de la mettre là? Un Ops? Il a peur de quoi? Tu vois ce que je veux dire? Bah, j'aurais préféré le Twilight avant la robot en fait. Ouais, pour avoir le glaive et puis après tu fais des immos. Il se dit peut-être qu'il crève sur Ling Roach. Ou sur Lurker, hein, qui reste une unité assez populaire sur cette map. Ouais, mais là on en est loin là. Je te parle juste du timing en fait. Je dis pas que la robot est un mauvais choix, parce que t'as forcément besoin d'un prisme à un moment donné, d'un ob, des immos. Mais c'est le moment où il choisit de le mettre qui me paraît pas lié à un truc. Voilà, il rush un immo. À mon avis, il se dit s'il y a un Ling Roach all-in, là je crève si j'ai pas d'immortel. Bah, c'est ça en fait. Est-ce qu'il a checké l'emplacement B4 en fait? Non, il a pas vu. Donc là, il faut qu'il confirme cette information, sinon effectivement elle est dans l'optique où potentiellement il y a un Roach Ravageur all in. Là, le timing du Roach One qui peut quand même laisser à penser que... Ah bah il sait que c'est fait baiser là. Bah ouais. Mais après bon, il s'est fait baiser mais il est sur 3 Nexus, donc l'un dans l'autre il est pas non plus dans la pire des galères. Il peut produire ses drones tranquillement et il peut même envisager de mettre une pression du coup avec ses sentries et son immortel, hein. Il y a moyen de moyenner. Il a l'air de vouloir emmener le Mothership Core pour pouvoir recall, mais attention au potentiel de contre-attaque quand même de Scarlet, qui pourrait choisir de passer au sud ou au nord pour envoyer un petit groupe de Zerglings bien, bien médisant, bien malfaisant et véhément. Voilà. Véhément, malfaisant. Médisant. Médisant. Voilà. La triplette encore. C'est ça. Triple rhyme. On aime ça. What you gonna do about it? Alright. L'engagement qui se prend. Recall instantané. Ok. Ça faut forcer quelques Zerglings. Je suis pas un overlord des units et voilà. Bon, c'est pas la folie, mais c'était une petite pression. Ça permettait de voir où est-ce qu'on en était. Il a rien perdu, mais est-ce qu'il a... Tu vois, genre, s'il avait compris, je pense qu'il serait plutôt en train de go à droite pour déjà limiter l'extension du creep. Et puis aussi, parce que c'est probablement une meilleure position pour attaquer. Parce que bon, cette rampe qui va être très très difficile à monter pour le joueur américain. Et Nib... Nib qui, avec cette prise de décision de la grid, est en train de complètement changer son fusil d'épaule et sa stratégie. Il va falloir faire péter les unités, puisque voilà, les gateways sont en train de se transformer. Par contre, tout est vu. Hein. Scarlet c'est qui s'est fait plaisir dans la main de Nib. Ah bah oui, faute d'entière qui soit fiable ici du côté de Nib. On a clairement pu envoyer des overlords, mais Nib qui n'est pas du tout en train d'analyser correctement la situation. Hein. On est en train de repartir sur le même style du côté de Scarlet, qui va vouloir vraisemblablement dire qu'on passera par quelques corrupteurs, mais qu'à terme on va avoir un switch muta et on est très très loin d'avoir de quoi contrer les mutas de Scarlet éventuellement. Cependant, il va falloir d'abord gérer les shades de Nib avant de faire des mutas. Il y a quand même beaucoup d'adeptes ici, les Bellings qui sont en cours de formation mais du coup pas tout à fait capables de gérer l'agression, les shades qui sont envoyés directement vers la base. Est-ce que Nib est en train de tout juste réaliser qu'il y avait cette bégate? Bah moi je pense que là ça doit lui faire tout chelou parce qu'il avait pas habité hein. Lol. Je pense que quand t'arrives ici et que tu fais oh mon dieu le creep est déjà là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé c'est qu'elle t'a enflé, elle t'a mis une quatrième base que t'avais pas vu venir. Et du coup je suis pas sûr d'adorer la position de Nib en fait hein, qui a beaucoup d'adeptes certes, mais avec lesquels il n'arrive pas à faire grand chose pour le moment. Il met la pression certes, mais il n'est pas en train de réfuter cette cinquième base. Économiquement parlant, il est derrière. Il y a 81 drones quand même pour Scarlet qui n'en a pas perdu un depuis le début de la partie. C'est énorme. Donc elle est en train de jouer la game qu'elle a envie de jouer, c'est-à-dire ça se paillerait en place, il y a du Roach Ravageur, il y a du Bane, il y a des unités coûteuses et tout ça a été fait sans prendre de dégâts économiques. Et à ce petit jeu-là, je suis pas convaincu en fait que ce soit toujours une très très bonne idée de dire
Rosberg, écoute, je ne suis absolument pas capable de t'attaquer là. C'est ça. Et derrière, on a la double robot, Charge-Lotte et plus en attaque. Enfin, on est en train de gérer, de créer une composition pour gérer un antisol massif. Mais on voit les premiers mutas qui sont dans la barre de production de la part de Scarlett. Seulement 5 mutas pour l'instant. Mais ces 5 mutas pourraient aller trouver le dégât dans les lignes de minerais. Et tu l'as montré, on a cancel le bling pour pouvoir lancer la charge. Ce qui veut dire aussi que bah, si, quand ces mutas ils vont arriver, ils vont vraiment avoir très très peu de contest, si ce n'est les photon overcharge et les canons qui ont été posés. Voilà, là on a massacré le pylône pour être sûr qu'il n'y ait pas de photon overcharge. Et on va arriver avec 1 million de zerglings par le centre. Quoique, on retient les zerglings pour l'instant. Ok, continuez comme ça les gars, nous dit JR Doublet depuis 17 mois. Merci beaucoup. Attention, cette B4, elle paraît compliquée à tenir. Et là, la position sur les deux francs qui est énorme ici de la part de Scarlett. Les mutas vont aller dans la main, faire du dégât. Le gros run by de zerglings. Attention, le wall est-il en position? Oui. Et pendant ce temps-là, du coup, on abandonne la B4 alors que du côté zerg, on est sur B5. On prend de l'économie partout du côté de chez Scarlett. Il a laissé des unités en défensif. Les archons qui tentent comme des bourrins. Ouais, mais les connexions de build qui se sont faites notamment sur les adeptes. Et du coup, les adeptes qui finissent par mourir. Ici les ravageurs cependant maintenant un petit peu seuls face à autant d'immortels. Cependant on a pris 15 drones avec les mutalisques, ce qui fait forcément très mal. Connexion de bulle corrosive encore une fois, pas massive mais suffisante pour peut-être laisser un petit peu Nib réfléchir à est-ce qu'il va continuer à pousser avec seulement une partie de son armée, tandis qu'on a une énorme force de zergling en préparation et une autre qui est présente au milieu qui va pouvoir push ici du côté de Scarlett et arriver dans le dos du coup de l'armée Protoss. Est-ce que c'est le meilleur move? Ça je suis pas sûr hein. Pas convaincu non plus, ceci étant, il n'y a pas d'adeptes disponible sur cette troisième base, les mutas sont toujours là, toujours en train de faire du dégât, 20 probes, 21 probes tombées désormais, encore une fois, Wall très bien positionné à part, j'allais dire cet immortel qui pourrait bien se faire récupérer, mais non, les mutas ont fini d'être gérés, mais cette B4 est un doux souvenir, et pendant ce temps-là, Scarlett, 2800 en banque, 300 de gaz, elle vient de les utiliser en intégralité, et B4, B5, avec peu d'extracteurs, hein, c'est intéressant, elle fait énormément de drones, très très peu d'extracteurs, parce qu'encore une fois, eh bien, elle paye des upgrades, et à part des Bane, elle fait pas énormément de choses coûteuses en gaz. C'est ça, mais de manière très similaire à ce qu'on avait relevé de la part de Stout sur ses games contre son adversaire Puck, elle perd relativement peu de ravageurs, ce qui lui permet vraiment d'investir le peu de gaz qu'elle récolte dans énormément de banning. Et la grosse connexion dans les autres qui ont tous perdu leur bouclier, merci à Godu qui resub pour 13 mois d'affilée. Et ici Nip qui est en train de se faire complètement outplay. Ah oui. Son plan de troisième base greedy n'est pas du tout en train de payer. Il se fait attraper par une Scarlett qu'on aura très bien compris et qui volontiers va prendre B4 et B5, les saturer comme il se doit et faire ce qu'il faut derrière pour gagner cette partie, puisque Scarlett est clairement en contrôle ici avec 30 d'armes supply supplémentaires, 25 drones d'avance et 2 bases d'avance. Elle est parfaitement bien dans sa game et vraiment on refuse le T3. Hein. Ouais, on joue full T2 mais en même temps c'est en train de très bien se passer. Full T2, hein, c'est... Je veux dire, à un moment, tant que t'as pas besoin de tes upgrades supplémentaires, si toutes tes unités se construisent sur le lair, t'as pas vraiment de raison d'aller le chercher. Maintenant, il va quand même falloir faire front face à l'armée qui est en train de se préparer du côté de Nib et qui va comprendre beaucoup de splash damage avec tous ses archontes disponibles dans la composition. Et pour ça, ça va quand même demander une bonne prise de fight de la part de Scarlett, notamment des connexions de bending sur les unités light, c'est-à-dire les adeptes et les zealots, les zerglings qui sont en train d'arriver de part et d'autre, les zerglings en nombre massif qui fondent tels des oiseaux de proie sur la B4. Et ça va repartir, les mutas qui sont là. Alors il y a 5 stalkers pour les anticiper ici, un stalker pour défendre, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Le wall va voler en éclats instantanément et à nouveau on est en train de se faire prendre de vitesse. Scarlett qui commit pas mais qui va prendre la fight de l'autre côté avec Mass Zergling contre Archonte et Zealot. Et c'est là en fait le moment où j'aimerais voir pendant que... Ok. Oui. Bon, ça marche aussi. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est là que j'aimerais voir le T3 en fait, simplement pour les glandes surrénales des Zerglings. Ouais. Rien que pour ça, je trouverais que ce serait vraiment rentable. Ça pourrait être intéressant, mais en fait, du coup, elle a peut-être limite besoin d'un simulateur en plus pour faire ça, parce qu'on le voit, elle est toujours très très low en gaz, DJ. Et à chaque fois qu'elle accumule un tout petit peu de banque, elle refait 25 bending, elle est très très bien. Game numéro 5. C'est ça, ça nous amène à une game numéro 5. 2-2. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Game 5, du coup, sur King Sejong Station, les deux champions nord-américains qui, pour l'instant, n'arrivent pas à se départager. On aura le droit, du coup, à cette game décisive. Ouais, game décisive. Ça joue très, 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 très bien. Par contre, voilà, le fait de laisser Scarlett avoir les rênes de la game, pas sûr d'être d'accord. Ouais. Parce que dans le genre macro zerg, Scarlett, c'est quand même du gros, 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 gros level, quoi. Ouais, non, mais il y a clairement une concession de l'initiative de la part de Nib. Et c'est quelque chose qui n'a jamais été favorable au Protoss en PVZ, hein, de concéder l'initiative aux joueurs zerg. Je pense que c'est nécessaire de toujours avoir un minimum de haras possible sur ton adversaire zerg, ne serait-ce que pour lui dire...
ne fait pas que des drones. Et là, c'est ce qui s'est passé. Si elle n'a fait que des drones, à un moment, si elle est à 81 drones, c'est pas du tout un hasard de la part de Scarlett. C'est ce qu'elle voulait. Et faute d'agression, bah, tu ne poses pas de drones, tu ne poses pas de sport, tu ne rates pas d'inject. Donc, à partir de là, ta macro est parfaite, tu as trop d'unités. Et le joueur Protoss, il peut macro parfaitement aussi. S'il n'a pas gêné la macro de la joueuse Zerg, il y a forcément un moment, il va pas avoir assez d'unités et ça. Sans des prises de fight parfaites, il va jamais résorber non plus cette supériorité d'unités. Ouais. Mais surtout avec ce style mass unit, en fait, Scarlett qui avait complètement la possibilité d'être active en fait à gauche et à droite avec des armées qui clairement ne sont pas du tout que tu peux pas prendre au-dessus de la jambe en fait parce que sinon tu te fais marcher sur la gueule. Donc un très très bon plan de jeu de la part de Scarlett, un plan de jeu moins cool je trouve de la part de Nib. On va voir s'il va changer justement cet homme ici en Protoss jaune pour Ting, c'est Nib. Et en haut à gauche pour On Fire, mais surtout la Team Expert, il s'agit de Scarlett. Bien sûr, les deux joueurs que vous pouvez suivre sur Twitter, @OnFireScarlett, @OnFireNib, je vous invite à le faire, surtout le bon Nib, qui n'a que 1700 followers, alors que le mec est 4ème au classement WCS. C'est un scandale, je trouve. Donc voilà, si vous avez Twitter, n'hésitez pas à le suivre, c'est toujours sympa. Je suis sûr que ça lui fera très plaisir. Bon, alors, il faut savoir aussi que sur son Twitter, il y a approximativement à rien, en fait. Il tweet jamais. Mais peut-être qu'il serait plus incité à tweeter s'il avait plus de followers. Tu crois? Bah, des fois, il y a des gens qui marchent comme ça. Enfin, il me semble que c'était Massa qui tweetait beaucoup moins avant. Et là, il ne tweet pas non plus énormément, mais un petit peu plus depuis qu'il voit que mais les gens me suivent depuis que je fais des perfs et tout. Et du coup, il se... Hashtag Kikoulol, quoi. Bah voilà, bah il est plutôt content. Alors attends, Nib visiblement qui n'a pas de temps à perdre dans cette game. Déjà il va nous faire une opening double gateway cybernetic core. Et il est déjà en train de proxier. Scarlett qui va le voir un peu tard avec son overlord. Là déjà signal d'alarme, pas de nexus en production. Double gateway adept into Stargate proxy. C'est on dirait un build de PVT. Et Scarlett va falloir réagir, il va falloir réagir vite, elle a fait Hatch Gas Pool, donc elle a l'opportunité de produire des queens sur deux bases, mais il va falloir gérer cette masse d'adeptes qui va arriver parce que clairement on est en train de commit hein, sur une base ici de la part de Nib. C'est ça, on est en train d'investir énormément dans les bâtiments de prod à un moment où on n'a pas une économie flamboyante, donc forcément ça va nous mettre derrière et il va falloir faire du dégât en conséquence du côté de Nib, pour ça beaucoup d'unités. La question qu'on se pose un petit peu, c'est quelle unité va sortir de la Stargate. Grosse blague, ça va être un oracle, mais on va voir s'il n'y en a pas un deuxième qui le suit ou si derrière t'as un follow-up Phoenix, hein, ce qui est tout à fait une option aussi. Allez, il n'y a pas le gaz. Encore. 3, 2, 1. Voilà l'oracle qui est là et les deux adeptes qui vont trouver leur chemin d'agressivité ici. On va shade in dans la main et il n'y a pas suffisamment de Zergling ici. Ah si, il y en a dans la main, ok. Il y en a des deux côtés et il va prendre la position de la rampe. Il faut avoir des burnes hein, quand même pour faire ce truc là. Il est déjà en train de mettre en difficulté ses deux premiers adeptes. Est-ce qu'il va pouvoir les sauver? Les shades qui sont envoyés en dehors de la main, c'est bon. Il va pouvoir les sauver tranquillement en prélevant deux Zergling. C'est correct. Le Nexus qui va être posé derrière, mais c'est vu instantanément par la joueuse canadienne. Moi j'aurais trop de peur en fait à faire un build très agressif sur une base parce que t'es vu direct sur cette map. Ouais, en fait. Non, t'es vu direct, donc c'était vraiment un gros gamble, mais derrière, elle s'attendait peut-être pas à cette Stargate. Si tu peux prendre la faille contre la Queen, mais tu peux aussi décider de focus fire directement des drones. Et ici, pour la première fois depuis longtemps, on voit un oracle qui fait des kills sur des drones. C'est quand même assez rare pour être noté, mais c'est parce que ça a été proxy et fait sur une base. Du coup, déjà 8, 9 drones, 10 drones qui vont être pris. Oh. Oui, on pourrait même en prendre un 11e, mais non, on va pas réussir à le focus fire. Du coup, l'opération qui est pas mal, et derrière, il y a un deuxième oracle qui est en train d'être fait, et ce deuxième oracle va refaire du dégât. Non mais lol, Scarlett qui était trop proche de la scouter, alors ça aurait pas empêché cet oracle de sortir, je pense, mais... Et elle va s'en rendre compte maintenant, donc la Stargate qui va être tombée, attention, ici c'est une base où il y a deux queens, est-ce qu'on veut vraiment faire ça de la part de Nib? On va prendre trois drones, et s'esquiver comme un seigneur, avec 25 d'énergie, 13 collecteurs prélevés depuis le début de la game. Et là... Moi j'ai presque envie de voir un Nib qui garde l'énergie d'un des oracles pour révéler en permanence l'armée de son adversaire et l'autre oracle qui pose des stases à la maison et tu sécurises une B3 derrière, une fois que tu as lancé tes glaives résonants. Stase. Bah ouais, non mais sur un opening double oracle, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Hein. Enfin, là tu continues à produire un peu de probes, une ou deux gates supplémentaires, tes glaives résonants, c'est cool. Une fois que tes gates sont terminés, bah tu poses une ou deux stases et tu fais des adeptes si nécessaire, mais surtout tu prends B3 quoi. Ok, on va voir si c'est ça qu'il décide de faire ou s'il commit sur deux bases après avoir commit sur une, on va perdre un oracle, là c'est dommage quand même, petite erreur de micro ici de la part de
Nib, on est sur la game décisive, place en demi-finale de l'autre côté hein, pour l'éventuel gagnant de cette série. C'est tendu comme un string. Mm-hmm. Troisième match qui vient se positionner. Est-ce qu'on peut choper le drone avant qu'il fasse une spore? Non. Compliqué là, d'un point de vue énergie. On aurait pu le choper, mais il aurait fallu réagir instantanément du côté de Nib qui pour l'instant est en train de terminer des gates, faire un petit peu plus adepte, au moins pour chasser les Zerglings et libérer le terrain tout simplement pour un Nexus. On verra si c'est ce qu'il décide de faire. Pour l'instant, on n'a vraiment pas d'autres choix concrets, donc on pourrait décider de commit ici. Il faut juste vraiment faire un choix au niveau de la production. On est à égalité, hein, parfaite. On l'était en tout cas en termes de collecteur, 39 à 42 ici pour Scarlet désormais, 42 drones hein, face aux 39 probes de Nib. Fake B3, on bourre, non on pose la B3 réellement, on va jouer cette game avec un petit peu de macro derrière, il reste un oracle en position qui pourra révéler comme le voulait TKL tout à l'heure. Mmh. Et du côté de chez Scarlet, plus un de mêlée, Banning Nest, on revient sur la base. Ouais, après un opening un peu cheesy hein, de la part de Nib, et ben on est reparti sur un follow-up tout à fait classique. Hein, comme en 40. C'est ça, on est reparti comme en 40, voilà, les Américains arrivent avec leur burger et boum, derrière les 30 Glorieuses avec une troisième base, donc c'est tout à fait sympathique. L'analogie est tout à fait réelle. C'est ça. Et attention, on a quand même beaucoup d'adeptes contre une Scarlet qui n'a pas de Bane encore, donc pas réellement de moyen de se débarrasser de ses adeptes de manière rentable, et on va prendre une position pétée, et alors ça c'est le cauchemar de tout Zerg oui. Qui se respecte, c'est les adeptes qui sont en train de tuer une infinité de Zerglings. Infinité de Zerglings effectivement qui sont en train de mourir les uns après les autres, faute de plus en attaque pour faire la différence face au glaive résonnant, et derrière c'est le transfert directement dans la B1 qui devrait permettre de prélever un certain nombre de drones, déjà 5 drones qui sont tombés, et on reshade pour aller choper une nouvelle fois la ligne de minerai. On va surtout aller choper ce dernier fiefé drone planqué dans le gaz, et là c'est la crise hein. On a perdu plus de 70 unités pour à peine une dizaine de la part du joueur Protoss qui a vraiment été très très cost effectif. Ouais, très 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 rentable avec les adeptes, et c'est ce que les adeptes font de mieux. On récupère des Zerglings supplémentaires, on est encore en train de mettre une simili pression, et on va la mettre dans la main ici, dans les drones en train de se transférer, donc du coup encore plus d'économies qui tombent, et surtout une stat qu'on ne voit pas forcément tout de suite hein, mais ces drones qui sont en exil sont pas en train de miner, donc on a beau ne pas les avoir encore perdus, ils ne sont malgré tout pas en train de récolter du minerai, ce qui veut dire que l'Incom pendant toute cette séquence était largement en faveur de Nib, qui lui a sécurisé sa troisième base et qui je crois avec cette accélération vient de mettre Scarlet dans une bien mauvaise position. C'est ça, Scarlet qui va devoir tenter une tentative, qui va devoir tenter à un moment une contre-attaque quelconque hein, si elle veut ramener le joueur Protoss dans les barrières économiques qui lui ont été infligées ici. La chère Scarlet, si elle veut au moins essayer d'avancer vers la demi-finale hein, qui l'opposerait du coup à Bly qui lui a battu tout à l'heure son adversaire Baves. D'autre part, sur les deux autres matchs, on avait eu Snut qui était passé contre Puck et Polt qui le rencontrera du coup en demi. Donc un TVZ, et on déterminera si c'est un ZVZ ou un PVZ sur l'autre demi. Toujours plus d'adeptes, explosion de gateway, 5 supplémentaires pour passer de 3 à 8, des upgrades hein, légèrement en avance avec le plus 1 d'attaque qui est là, la Templar Archive pour pouvoir switcher sur les archontes. Nib est en train de réciter une partition parfaitement connue et j'ai peur que la symphonie qu'il essaye de jouer à Scarlet ne se passe que très très mal pour la joueuse canadienne. Effectivement. Là pour l'instant l'oracle qui va arriver et qui va tenter de continuer d'accroître sa rentabilité ici dans cette game. Pour l'instant la révélation qui en soi est une rentabilisation de l'unité puisqu'on va voir les déplacements d'armées, notamment de ces unités qui sont en train de sortir sur la map, et on va décaler peut-être pour essayer de les intercepter. Le wall qui est terminé en tous les cas, du coup on n'a vraiment qu'une seule porte d'accès qui amènerait immédiatement en face des unités Protoss. Protoss. Et là on est en train de faire 3 archons d'un coup, il sait bien ce qu'il est en train de faire. Nib qui gère son économie avec brio, son nombre de gates également, et qui est en train de faire le trou dans cette game, le prochain warping d'adepte qui pourrait bien être très très problématique parce que de l'autre côté de la map on a quelques Zerglings avec le plus 1 d'attaque, quelques Banning mais seulement 4 comparé aux games précédentes hein, où on avait des masses de 40-50 Banning, là on en a 4 avec 38 Zerglings et ça va être très 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 compliqué pour Scarlet de tenir ça. Nib qui avance vers la demi-finale tout simplement. Ouais, qui avance vers la demi-finale et surtout qui avance dans un goulot d'étranglement. Il sait qu'il va lui permettre de force field assez facilement, tandis qu'il peut casser les cailloux et également les force field ici, puisque c'est aussi un goulot d'étranglement une fois que le caillou est cassé. Pardon. On est en train de déjà shade les adeptes pour voir comment ça se passe d'autre part, mais du coup on les a ramenés du mauvais côté et on est en train de force field là, les force field voilà qui permettent de complètement verrouiller la position. Il va juste falloir reforce field dans la ligne de minerai de manière totale pour piéger les unités, tandis qu'on a un drop bending qui ne fait juste pas le dégât, on tombe sur des adeptes ouais, et on ne connecte pas tant que ça.
Il est en train d'abuser complet le bon Nib ici avec de très très bons force field et une exécution quasi parfaite. À nouveau force field les Bennings qui ne connectent absolument pas. GG Scarlett un petit peu énervé peut-être d'avoir perdu face à Nib, mais ici un très 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 gros best of 5. Scarlett qui n'avait tout simplement pas pris les précautions nécessaires pour faire face à cette masse d'adeptes. C'est ça qui lui fait perdre la, qui lui fait perdre les pédales en fait dans cette partie. C'est ce gros coup à l'économie qu'elle n'a jamais réussi à anticiper, de laquelle elle n'est jamais revenue en fait. Ouais. Alors que si on se rappelle bien sur la game numéro 2, on a l'impression que Scarlett va prendre exactement la même chose que sur toutes les games où les Zergs se font un petit peu prendre de vitesse par des adeptes, et là il y avait des Phoenix aussi sur la game 2, et Scarlett en fait avec sa contre-attaque suicidaire avait réussi à repasser 70 drones et revenir dans cette partie. Ici ça n'aura pas été le cas, Nib qui fait et c'est terminé. Et je pense que c'est beaucoup lié au fait qu'avant cette agression d'adeptes, t'as vraiment cette proxy Stargate qui fait beaucoup de kills, enfin 14 drones qui tombent, derrière il y a la menace permanente des oracles, donc elle a un petit peu peur, elle est obligée d'essayer de s'y concentrer, et il y a toujours la menace de l'adepte potentiel parce qu'elle voit le conseil crépusculaire qui est chrono boosté, donc elle est vraiment dans une position où ah, je sais pas vraiment comment est-ce que je peux m'en sortir. Et tout simplement, bah, Nib qui a joué deux mains de maître sur cette game, qui a pris des risques dans une dernière game de best of 5 où potentiellement c'était l'élimination, et c'est des risques qui payent, hein, qui tout double, et là c'est double pour Nib qui du coup va en demi-finale et rencontrera Bly, tandis que de l'autre côté il y aura Snoot contre Polt. Bien sûr, ces deux matchs de demi-finale en best of 5 se passeront juste après une courte page de réclame. Ne nous quittez pas, à tout de suite pour la suite du Gauntlet.